Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission L'Artiste de la Semaine, une émission consacrée à un artiste chaque semaine. On a dit 52 semaines dans l'année, 52 artistes de la Réunion, de l'île Maurice, de Madagascar, de Mayotte. C'est... Aujourd'hui, on a un artiste qui est de retour à la Réunion. Il est de retour, il est là depuis pas mal de temps, il est arrivé déjà, il passe souvent chez nous. Hein. On a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Pierre Boyer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Claude. Monsieur Jean-Pierre Boyer. Monsieur Jean-Pierre Boyer. Merci Jean-Claude. L'artiste de la semaine. Alors, l'artiste de la semaine, c'est quoi, Jean-Pierre? Oui. C'est l'artiste qui est un petit peu à l'honneur toute la semaine chez nous, comme ça, sur Canal Austral Télévision et sur Piment TV. Un hommage que vous rendez aux artistes. Alors, c'est un hommage que l'on rend à un artiste tous les semaines. On a certes le clip de la semaine qui n'a rien à voir avec l'artiste de la semaine. Et l'artiste de la semaine, c'est qu'à dire que ton clip va passer un petit peu plus souvent toute la semaine. On ne pourra pas passer à côté de la télé avec Canal Austral et Piment TV branché sans te voir. Cette semaine. Si tu es là, c'est parce que ton actualité musicale est quand même assez chargée avec la sortie de ton karaoké volume 1. Alors, c'est pas tous les chanteurs qui peuvent se permettre d'avoir un DVD karaoké au jour d'aujourd'hui. Hein. Jean-Pierre Boyer, lui, il peut. Jean-Pierre, dans ce karaoké-là, au départ, qu'est-ce qui a fait que tu as fait un karaoké? Quelle a été l'impulsion? Alors, l'impulsion, c'est... J'ai un ami qui s'appelle Teddy Morel, qui habite à Saint-Joseph, qui fait karaoké d'ailleurs dans toute la Réunion. Et c'est lui qui est venu me voir, il m'a proposé, parce qu'il m'a dit que j'ai des standards, comme les chansons ne fait pas les oreilles, qui est pistache, qui est très demandé dans les karaoké, et lui, il n'avait pas. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas, et c'est lui qui m'a donné l'envie de faire, et puis c'est un peu grâce à lui, quoi. Et de là, j'ai dit, bon, mais il faut le faire, puis parce que bon, c'est vrai, il y a des titres que les gens aiment bien, mes standards, les gens aiment bien chanter et retrouver dans les karaokés, et qu'on me revient Je t'aime, je t'aime la jeunesse. Voilà. C'est vrai que des fois, j'aurais tendance à te dire que un DVD karaoké, c'est bien, mais sauf que les gens de La Réunion, ils connaissent tes chansons par cœur. Oui, c'est vrai. Déjà. Et maintenant, ils pourront chanter avec la vraie bande musicale. La vraie bande musicale. Ah oui, oui. C'est ça qui est important. C'est pas, on a pas, c'est pas une musique composée comme ça se fait généralement dans tous les karaokés. Voilà, il y en a qui font, supposons un chanteur qui est en métropole, un pianiste, il fait la chanson et puis l'instrumental, bien sûr. Mais dans les cas, c'est vraiment l'original. Quoi. C'est pour ça qu'il faut dire les gens. Et puis pour chanter mes chansons, on peut dire que c'est la vraie musique, l'orchestration complète de Jean-Pierre Boyer. Voilà, parce que les karaokés, là, Jean-Pierre, c'est entré dans les mœurs, ça, ici. Oui, à la Réunion, je pensais pas. Les gens aiment bien. Moi, je pense que c'était fini, c'était mort. Quand je vois dans toute la Réunion, les gens font des karaokés, des restaurants partout dans les... Mais c'est incroyable, même au bar à choix, le soir, samedi soir, ils font au karaoké, c'est incroyable. Pourtant, on n'a pas les yeux tirés, parce que c'est vraiment une coutume asiatique, ça, les karaokés. C'est vrai. On voit bien les Japonais ou les Chinois, ils aiment bien ça. Et maintenant, c'est entré à la Réunion depuis pas mal de temps de cela, les gens. Oui, c'est vrai. Et donc, toi, ton karaoké, parce qu'un karaoké, quand tu fais un karaoké comme ça, un DVD karaoké comme ça, ça se vend parce que pas tout le monde achète un DVD karaoké pour chanter dessus. C'est vrai. Mais depuis que tu l'as chanté, il y a combien de temps? Il y a 2 mois, à peu près? 2-3 mois. 2-3 mois, c'est ça. Ça se vend bien, il est en vente un petit peu partout. Mais là, il est dans tous les bacs à l'île de la Réunion, mais pour l'instant, je n'ai pas encore les chiffres, hein, parce que j'ai déposé par mon distributeur. Mais peut-être bientôt, j'attends le bilan, parce qu'il faut attendre 2-3 mois, le temps que les magasins payent le distributeur, puis le distributeur paye le producteur et l'artiste. De toute façon, c'est incontournable, vu déjà tous les restaurants, le public, hein, public aime tellement les karaokés ici, que bien entendu, s'ils veulent écouter les musiques de Jean-Pierre Boyer, mais il y a des gens qui ont déjà acheté. Des particuliers, ils m'ont dit sur Internet, ils ont acheté déjà. Parce que tu le vends aussi sur Internet. Ah non, mais ils ont acheté parce que moi j'ai mis la bande annonce sur ma page. Ah, d'accord. Les gens me disent, vous savez, j'ai acheté tel endroit, tel magasin, et c'est bien, ils font de la pub. En plus, ça prouve qu'il y en a qui ont acheté pour faire chez eux. Ils veulent être le premier pour dire, ah, j'ai chanté au pays, j'ai la maison, et puis ils chantent en famille. Mm-hmm. Et c'est formidable. Le week-end, le soir, surtout le samedi soir, c'est Et Jean-Pierre, depuis que tu es arrivé ici,
ici à l'île de la Réunion il y a à peu près quoi? Il y a un an là à peu près? Non, un an et demi, bientôt deux ans. Bientôt deux ans? Oui, ça passe que vite. Le temps passe vite. Et je suis arrivé le 2 décembre 2012. Ouais, ouais, définitivement là. À la Réunion. Oui, définitivement. Là maintenant, mais ça quelque chose créole écoute. Parce que vite, vite, à un cause un petit peu mon français. Oui, là, mais... c'était ça cause mon créole écoute. Deux ans à la Réunion, ça fait un bout de chemin ça, hein? Ah là 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 là. Et alors, comment elle est la vie à la Réunion deux ans après? Comme dit ma chanson, Astia, moi, les contents, moi, les contents. Mais à tout mon soleil, mon la mer, mon racine, ouais. Mes couleurs locales, ouais. Hein, c'est vrai, c'est important. Et Oula, bien ancré dans ce monde musical, Oula, bien envahi ce monde musical, là, dès qu'Oula est arrivé ici, puisque maintenant, il peut retrouver presque tous les week-ends où il est sorti. Oui, et puis ça te fait manquer aussi. Les gens appellent là où ça fait des soirées, là où c'est moins un week-end prochain, oui, puis le week-end après. Et ceux qui m'appellent aussi en particulier aussi, pour les trucs privés. Non, c'est important pour moi parce que je pensais pas que j'avais encore une petite autorité comme ça ici, et puis les gens voulaient encore de moi. Mais là, c'est pour cela que j'ai fait ça, et puis bon, j'ai encore d'autres ambitions. Mm-hmm. Et puis, non, et puis le public m'aime bien, et puis je remercie beaucoup à tous ces gens qui m'aiment, qui m'ont. Ils sont fidèles envers moi, et puis vraiment, c'est fidèle en amitié comme ça, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Ah ouais, ouais, ouais. Et ton dernier album date de combien de temps? Ben, un an. Un an. C'était... Où ça va. Voilà. Hein, d'accord, je reste. Où reste là. Et vous l'avez fait à nous une surprise, c'est-à-dire que vous êtes venu avec un genre de clip karaoké pour nous, ici, directement. Exactement. Et en fait, c'est pas un morceau qui est dans le volume 1, mais qui sera peut-être, mais je pense sûrement dans le volume 2. C'est ça. Et la chanson, c'est n'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. Alors j'ai mis ça en karaoké. Ouais. Pour l'instant, il est en bon, comment dirais-je, le karaoké n'est pas encore sorti. Voilà. Là, c'est en exclusivité pour bientôt. D'accord. Mais ce qu'on fait là, c'est qu'on laisse tout le monde chanter un petit coup. Voilà. Ouais, on va chanter dessus aussi. Hein? Voilà. D'accord. Alors, en exclusivité, là, actuellement, le morceau de Jean-Pierre Boyer, le morceau, c'est le titre. N'attends pas qu'il ferme les yeux. Très connu. Les yeux. Ça. Oui, très connu. Ah, là, les vieux morceaux là. C'est pour ça que les gens aimaient. C'est une chanson immortelle, celle-là. Immortelle. Parce que ça veut tout dire, tout le monde a compris les messages. Les bon. Ok, Jean-Pierre nous chante un morceau avec. C'est bon. On y va. Allez, l'écrit dessous. Il suffit seulement de lire le texte, les paroles, et puis après de suivre Jean-Pierre en train de chanter. Les bras allez, tout de suite. Pourquoi tant de haine? Ça n'en vaut pas la peine. On est de passage sur cette terre. On n'a qu'une vie qu'on n'a pas choisie. On se fait la guerre. Après vient la prière. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. Il
il est incompris. Il n'a plus d'amis. Pourquoi ne pas s'aimer en toute liberté? Pourquoi se déchirer et se détester? N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. Eh bien, oui, tout le monde chante, hein, sinon, oui. C'est Jean-Pierre Boyer. Hein. On ne peut pas rester insensible avec des textes comme ça. Hein. Et puis, c'est bien aussi pour les gens qui sont sourds, ils peuvent lire les paroles. Ouais, ouais. C'est important pour une pensée pour eux aussi. Bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. De temps en temps, on aura l'occasion de repasser ce clip karaoké là, chez nous, sur Canal Austral Télévision et sur Piment TV. Bon, comme ça, les gens, à un moment donné, ils doivent connaître le texte par cœur. Le texte, en plus, ils sont conscients parce qu'on donne les fleurs quand la personne est vivante. Bien sûr. Ça, c'est très important. Ouais, hein, l'hommage. Ouais. Ah, comme tu fais un hommage aux artistes vivants, c'est important, Jean-Claude. Pour ça, je te remercie. Canal. C'est vrai, c'est la vérité. Merci, Jean-Pierre. Trop gentil. Ben, moi, tu l'as dit, Jean-Pierre est trop gentil. Jean-Pierre, le pas ni tout seul, c'est-à-dire qu'on pas ni tout seul, pas ni avec un autre monde, mais oui. Vous l'avez ni avec un clip karaoké, mais vous l'avez venu aussi avec un clip, une nouveauté. Oui. Une nouveauté qu'on amène pour nous. Là, parce que, Jean-Pierre, quand il vient ici en studio, là, il n'y a pas son clip, partir des charges, ou quoi que ce soit, il vient amener. Oui. Et c'est bien, hein, parce que au moins, c'est du contact. Bah, c'est... On peut voir la personne dans la main, on discute, on fait la bise. Voilà. Quand c'est un petit peu. Technicien, puis voilà. Bah, mange un petit coup à côté. Bah, oui. Le bord de la mer, ici, il y a des paquets de petits restaurants à côté, ça mange un petit coup à côté et tout ça. Non, le plus convivial. Ouais, plus d'ailleurs, convivial. Voilà, mais après, bien entendu, il y a beaucoup de monde, il ne peut pas, et donc il envoie par téléchargement, nous reçoit par téléchargement tous les jours, pas mal de clips. Mais Jean-Pierre, il vient déposer. Bien sûr. Et quand on vient déposer, là, au départ du clip aujourd'hui, le soir même, il est en diffusion. Hein. Ouais. Ah non, parce que nous ne pouvons pas attendre à vous. Et ce clip qu'on amène pour nous là, c'est quel morceau? Alors, c'est l'extrait de mon album Où ça va. Oui. C'est un titre qui est dedans, bien sûr. Ouais. Le titre, tu sais, c'est quoi? C'est un titre que souvent les gens ils disent ici, Que ça l'a fait, l'a dit la fée. Que ça l'a fait, l'a dit la fée. Oui. Alors, j'espère que les gens... Vous voulez écrire ça quand tu es ici, La Réunion, ou bien quand tu es en France encore? Ma fille, c'est comme tu es en France, parce qu'en France, tu entends des trucs ici, tu sais, comme ouais, ça. Non, mais Mios plus croit que c'est la France, elle inspire. Ah oui, là-bas, inspire moins, parce que oui. L'a dit la fée, non, suis là-bas, non? Non, pas, mais comme tu viens ici en vacances, tu entends, l'a dit la fée, là-dessus, non? Ouais. Comme Manu, là-bas aussi, il doit en avoir aussi, mais là-bas, il me fait quand il n'y a pas beaucoup de gens, il doit en avoir aussi, mais peut-être un peu moins. Mais ici, dans les pieds tropicaux, il y a plus de me croire. Oui, non, mais l'a dit, l'a fait, commérage, il va avec, ça, on comprend. Un bon l'a dit, l'a fait, il va avec un bon commérage. Ah, il m'a fait un clip là-dessus, et puis, comme ça, les gens, ils vont se retrouver un petit peu, tu vois. C'est l'humour, l'humour du Boyer. Bien sûr. Mais où on a les mots pour annoncer tout ça dans la joie? Il faut donner un petit peu pour. Oui, vas-y un petit coup. Que ça l'a fait, l'a dit la fée. Moi, il me dit, n'aime pas commérage comme ça. Que ça l'a fait, l'a dit la fée. Ça commérage, voisinage. De mon ramasse pour en terre, pour casser notre petit bonheur. Moi, elle est toujours sincère, où les mon petit zézère. Jalousie, elle n'a pas tout. De mon est jaloux de nous. Mais moi, pour la vie, diamant n'est pas fini. Que ça l'a fait, l'a dit la fée. Mais n'aime pas commérage comme ça.
que ça l'a fait, là, il l'a fait. Ça, commérage, voisinage. Ah là 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 là. Mais comment on l'a fait qu'on fait des morceaux comme ça là? On fait la musique d'abord pour mettre les paroles dessus, mais, ou bien on la fout dans quelque chose comme ça? Des fois, j'ai la musique dans la tête et puis les paroles viennent dessus. Dès que j'écris, je sens la musique. Puis, et puis hop, j'enregistre et puis voilà. J'écris après, je travaille un peu au final un petit peu. D'accord. En tout cas, Jean-Pierre, merci. C'est moi qui beaucoup, merci à toi. Hein. Ne passe un petit moment. Bon, c'est pas long, mais c'est juste ce qu'il faut pour faire en sorte que tous les jours sur la télé du samedi au vendredi suivant, tous les jours, ben, on aura droit à Jean-Pierre Boyer dans ce petit que créneau. Ça l'a fait, l'a fait. Voilà, que il ça l'a fait, que, l'a dit, l'a fait, n'attend pas qu'il ferme les yeux, et puis après dans l'instant de l'artiste de la semaine. Merci, hein, l'artiste de la semaine, hein, parce que des artistes comme vous, que la marque l'histoire de la Réunion quand même, hein, quand, ça fait quand même pas mal d'années qu'on chante, hein, et aujourd'hui dire à quelqu'un qui connaît pas Jean-Pierre Boyer, ben il croit que il vient d'une autre planète. Il vient d'une autre planète. Voilà, ok, merci beaucoup, hein. C'est moi, Jean-Christophe, merci. Ok, et nous regarde tout de suite ou de clip. Ah oui, petit clip un petit peu cocasse là, quand ça l'a fait, l'a dit, l'a fait. Oui. Mais bon, d'accord, Jean-Pierre, okay. On y va. Et toute la semaine, c'est pas parce qu'on est l'artiste de la semaine qu'on nous voit à Rapier ou après que la semaine sera finie. Si, hein? mais faut pas croire. Hein? Jean-Pierre Boyer est tous les jours sur la télé, sur Canal Austral et sur Piedmont. Fais partie de la famille. Ah, voilà. Bien sûr, t'es énorme. Hein? Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous tous. Okay. Bien de tout, au revoir, bientôt. Ok, merci à Richard de l'autre côté, merci à Niela de l'autre côté, et à Joachim et. Et Sidney qui est aussi de passage ici avec nous. Merci Jean-Pierre. Merci à tous. Allez, nous retrouve. Miyama ou toujours comme le premier jour. Ça...
caméras.